tout le monde, c'est Fusion Tigre et aujourd'hui on se retrouve sur un sujet dans les perruches dont on parlera de la France et Brésil. Une chose, on fera un tuto sur les coquartelles, comment les faire manger dans la mer. Parce que ceux-là, ils mangent pas des grosses graines là, vous voyez. Et aussi, avant de commencer la vidéo, je vous dis, allez voir ma page Facebook, c'est Transformer Stable. Envoyez-moi vos mails d'abonnement, vos commentaires, laissez un like, abonnez-vous, ce que vous voulez. Mais mettez le like et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Ah, attendez, j'ai une graine là, je vais vous montrer. Je vais faire un seul tuto, hein, juste comment leur donner la graine. Lui, montrez la graine. Lui, faites signe de venir manger. Bon, lui, il va pas venir. Il va donner à la femelle. On va voir. Viens manger, ma chérie. Viens manger. Voyez, voyez. Elle prend. Et revenons à nos perruches. Bien sûr, je leur donne des petites graines comme ça. Je ne les mange plus beaucoup. Et leur autre, je vais changer un peu. Alors, reparlons d'eux. Ils sont très malinous. Ils sont tous très coquins. Ils sont vraiment malins. Comme vous voyez, ces oiseaux sont un peu peur. Mais regardez pas bien. Regardez-la. En boîte cam, elle n'a pas peur. Et oui, bien sûr, je filme avec une boîte cam. Parce que avec les téléphones portables, c'est un peu trop difficile. Les téléphones à doigts, on peut faire. Mais avec des boutons, on peut pas. Parce que il n'y a pas internet sur un bouton, alors c'est un peu difficile. Sur YouTube. Et j'ai une boîte cam spéciale que je m'en sers juste pour pas mettre sur YouTube en fait. Allez, revenons aux oiseaux. Alors, pendant les 3 secondes, j'aime. Et religion, ça y est. Alors, laissez quand même le like qui se trouve en bas de la vidéo. Juste ici, en bas de la vidéo. Alors, je vous conseille quand même de mettre un like. Ça fait toujours plaisir. Alors, quand j'aurai une bonne. Un bon système de filmage d'écran, je vais faire des vidéos sur Five Nights at Freddy's parce que sur mon smartphone j'ai Five Nights at Freddy's, mais là je filme avec une boîte cam, alors du PC je le mets sur PC et ainsi je transporte dans mon téléphone que je peux le mettre en ligne, parce que le truc de ma chaîne c'est sur mon téléphone, alors ça c'est un peu très fatigant. Bon, alors revenons à eux. Ils sont très coquinous et peur. Vous voyez, ils ont peur. Donc regardez les grands. Coucou, coucou, coucou. Et ils n'ont pas peur. Donc regardez eux. Coucou, coucou. Ils se sauvent. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien les revoir. Boum. Regardez là, regardez là. Et sa plume blanche. Je vous conseille un coup. Si vous avez des oiseaux, des coquatiels, je vous conseille de leur tailler les ailes. De leur couper les ailes tout doucement. Évitez de leur faire mal. Si c'est mal, il va bien vous piquer aussi. Hein. Et ensuite, le soir, le lendemain du soir, vers les 8h et quelques, vous le lâchez. Vous allez voir, ils vont faire un tas de trucs. Vous ouvrez le truc dès le matin, ils vont prendre l'habitude, et ensuite, le soir, la femelle va commencer à sortir. Ainsi de suite, ce sera le mâle qui fera le roi sur le toit ici. Le mien l'avait fait. C'était accroché ici, là. Bonjour, je suis le roi. Et c'est tout, on va parler des perruches maintenant. Eux, on peut pas leur faire. Parce que eux, j'avais fait, mais ils ont couru partout dans la maison pour s'en sauver. La patte a été tombée. Et c'était restant bon. Cette vidéo n'était pas très très longue. On se retrouve dans une autre vidéo. Laissez un like, abonnez-vous, allez regarder ma page Facebook. Allez, au revoir tout le monde. Peace. Et le like,
en bas de la vidéo. Je te montre. Peace.